pas un, pas deux, trois trophées aujourd'hui. Comment on se sent, le triple champion? Oui, ben très bien. Je suis vraiment contente de comment j'ai joué et c'est sûr que ça me donne beaucoup de confiance. Je travaille beaucoup sur mon mental, like trust myself, puis de juste faire shot par shot. Il y avait un peu de pression. L'année passée, je leadais le tournoi et pas fini super bien. Donc cette année, je voulais juste revenir puis battre mon score. De juste être patiente et juste avoir confiance en moi. Je joue pas beaucoup de tournois de golf Québec vu que j'habite aux États-Unis, mais j'aime bien compétitionner à Québec. Je viens d'ici, so c'est fun de revenir ici dans ma province et compétitionner. Ça a été un super beau tournoi pour moi. En fait, c'est la première fois que je joue un tournoi où j'ai des rondes en bas du par. Donc ça a été super. J'étais très calme. J'adore le terrain ici. C'était super. Puis bien, aujourd'hui, c'est encore une fois la cerise sur le sundae, là, le jour de ma fête. Alors c'est un beau cadeau, mais ça n'a pas été du gâteau aujourd'hui. Ça a été difficile quand même. Ce que j'ai été capable de faire cette semaine, c'est de rester dans ma tête, dans mon processus, je dirais. Fait que j'ai surtout focusé sur ma mécanique, mon élan, sans trop penser aux résultats. Donc pour moi, c'est super. Alors je vais continuer, je vais essayer de continuer en tout cas sur cette lancée-là. C'est formidable. Donc, on s'en va à l'île du Prince-Édouard à la fin du mois d'août. Et ben, c'est un beau groupe de femmes. Hein. Les femmes de la catégorie senior, on se connaît toutes, on est toutes, on s'aide toutes, on s'encourage. Donc, c'est vraiment super. Je suis vraiment contente. Je trouve ça formidable. Puis comme moi, j'ai pas commencé un bas âge à jouer au golf, alors je peux juste parler de mon expérience en tant que senior. Et ben, ils prennent soin de nous, ils sont encourageants, ils nous aident, donc c'est formidable. C'est une belle organisation, Golf Québec. Puis Golf Canada va nous recevoir maintenant au niveau canadien. Donc ça aussi, c'est très intéressant.